Monsieur le Président, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je tiens à souligner l'effort colossal et les sacrifices faits par les travailleuses durant la pandémie. Je dis travailleuses parce que les femmes sont largement majoritaires dans toutes les professions qui sont sur les premières lignes aujourd'hui. Le personnel soignant, ce sont des femmes à 82 % qui tiennent à bout de bras notre réseau et qui sauvent des vies. Nos profs, ce sont des femmes à 78 % qui réinventent quotidiennement la manière d'éduquer, mais aussi soutenir nos enfants en cette période difficile. Ce sont également des femmes, en vaste majorité, qui s'occupent des tout-petits dans les garderies. Dans le combat contre la pandémie, ce sont essentiellement les femmes qui sont au front. Ce sont elles qui se mettent à risque depuis le début pour nos enfants, nos parents, nos grands-parents, à tous. Alors, au nom du Bloc québécois, mesdames, merci de tout cœur. Bon 8 mars.